Franchement, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux, mamie? Tiens. Moi, j'ai fait le ménage, hein. Eh, regardez. Okay. Allez, voir. Eh, salut. Regardez. Hop là. Allez, ciao. Salut à tous, c'est Tanguy, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mafia 3 Definitive Edition. Donc, ben, c'est toujours le même problème, hein. J'ai toujours, voilà, de mon côté, toujours ces petits problèmes de... voix, mais bon, voilà, on va faire avec, hein. Donc du coup, on va couper des moments où je risque d'avoir des méga quintes de tout. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. Et ça là. C'est toi, dégage-toi. Hop là, et c'est parti. En espérant que cette fois-ci, on n'ait pas de bug, hein, évidemment. Comme d'hab, si jamais vous n'avez pas vu, eh bien, le dernier épisode sur ce... Je me perds. Sur ce Mafia 3, eh bien, je vous invite, voilà, à y aller. Voilà, avec le petit onglet, la petite notification, le petit truc en haut à droite, comme d'habitude. Et voilà, tout simplement, on va essayer de choper une bagnole, essayer de sortir d'ici. Parce que là, c'est galère, et ça commence à m'agacer, ça commence à m'énerver, ça va me faire tousser, et voilà. Oula. Il manque des textures. Mamie, qu'est-ce que tu veux, mamie? Tiens. Mais pourquoi t'as fait ça, monsieur? Mais pourquoi t'as tapé mamie? Pourquoi t'as tapé mamie? On monte dans la caisse. Non, on saute pas sur la caisse, monsieur. J'ai dit, on monte dans la caisse. On saute pas dans la caisse, monsieur. Ok? Bon. Allez, let's go. Quand on passe pratiquement du plus beau, l'un des plus beaux jeux de la PS5, qui est Horizon 2, on se retrouve sur Mafia 3, qui est pas vilain, hein, mais qui est pas forcément ultra optimisé graphiquement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, par contre, quand on voit les flaques d'eau sur les côtés, on a l'impression qu'ils flottent tout le temps. Alors que c'est pas du tout le cas. Y'a de ça là, voilà, dérapage là, Ok, allez, on va parler à Bob l'éponge. Allez. Ah, toujours des flaques d'eau. Des flaques d'huile. C'est pas des flaques d'eau, c'est des flaques d'huile en fait, c'est ça. C'est ça, c'est des flaques d'huile. Je veux passer, monsieur. Voilà, merci. Allez, on avance. Personne t'a suivi? Roy est secoué. Il a peur de Gréco. Il est terrifié par toi. Il paraît qu'il dort à l'entrepôt maintenant. C'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Tant mieux. Ce sera plus facile de lui mettre le grappin dessus. Une fois qu'on s'en sera occupé, on lance l'assaut. Vito va faire ce qu'il faut. Quelle mise en scène! Ce pauvre. Oh là là, c'est... Fais ce qu'il faut. Oh, c'est... Ah, ça me passe partout, tellement... Ah, la mise en scène, elle est trop... Waouh! Allez, let's go, on va tout cramer! Tout cramer! Oh, on va carrément rentrer. Je sais même pas par où on va rentrer. C'est là. Ok, on rentre direct dans le dépôt. Ok, let's go! Allez, zone de transgression. Et on y va. Bonjour! Ils ont oublié d'afficher les textures. Voilà. Même les portes d'entrée, elles sont pas affichées. Ok, bon, ok. J'ai pas compris, mais ouais, ok, d'accord, mec. Ok, mec, y a pas de soucis. On voit au loin, là, d'ailleurs, les textures qui disparaissent, qui s'affichent. C'est trop de la bombe. Donc, Rodolphe, on va passer par là, mec. Non, on peut pas passer par là, Rodolphe. Non, pas par là non plus, pas par là. Espérant qu'il y ait pas de porte qui se... Voilà, mec. Allez, on y va. Plus à... Pour moi, je ressemble plus à... Tu vas voir. Fais le beau gosse, tu vas voir. Tu vas crever comme une...
Comme une merde. Voilà, pardon. Comme une merde. Ok, mec. Allez, numéro 2. Alors. Oh, y'a un beau snipe là en plus là. Ah, je vais le prendre. Hop là. Tac. Attends, qu'il n'y ait pas un mec qui se pointe là dans le coin. Ah, c'est trop dommage. Le mec il est juste là en plus. Ah, si je peux le choper à travers la vitre. Oh, excellent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, il est où? Et ça y est, c'est fini. Ouais, c'est fini! Bon, faut que j'aille quand même le choper quand même. Tu vas voir comme une gonzesse. Us, tiens, regarde dans ta face, mon pote! Ah, il... Ah, j'ai... Ah, tu gros nul! Ah, j'ai pris une balle pleine poire là! Oh là! Allez, bouge. Un de moins. C'est chaud hein, quand même, hein. Oh, foiré. Oh là là, t'es sérieux, toi? Allez, arrache-toi. Elle me gonfler, en fait, quoi. Tiens, voilà. Allez, hop. Allez hop, tous un par un, allez venez là les gars. Tiens, tous au couteau, un par un, et ils vont tous passer un par un quoi. Allez. Ah bah ils vont tous venir, bah, mais ça va pas là messieurs là, mais c'est n'importe quoi. Mais... Vous voulez chercher? Oh, c'est un massacre quoi. Ils viennent tous un par un. Voilà. Voilà, j'ai fait le ménage. Moi j'ai fait le ménage, hein. Et regardez. Oh, le truc, ça y est, j'ai fait un génocide quoi. Ah, je comprends pas, il y a des cadavres. Mortel, il respire plus. Oh putain. Oh, toi non plus, je respire plus. Ah, il m'a grillé. Tiens. Tu crois que tu fais chier qui? Ah bah toi. Tu fais chier qui? Oh. Ah, il est là. Bordel, chopez-le. Ah, je vais te... Tiens. Il est où l'autre? Il est en dessous. Petit poulet. Ah, il est là-bas. Lui aussi, il est bien. Allez. Allez, rends l'âme, là. Oh. Voilà. Non, mais oh. Ça va pas la tête, toi. Allez, fais pas... Tiens, ton radin, là. Oh. Ça va pas, là, hein. Ah, il va monter directement. Toi, t'es courageux, mon pote, hein. Oh, un coup de boulet. Oh là là, l'arrosage. Ok. Allez, bouge! Bah, d'abord, il faut que je récupère toute ma thune! Il faut de la thune! Oh, je vais crever avant, quoi. Il faut que je recharge. Tiens! Là, chopez-le! Oh là, le système de visée, ah, je suis dégueulasse, hein. Ok.
aussi qui m'arrose là. Et il est où? Coco! Voilà. Je suis pas bien, ok. Bon, ça va, t'es en train d'agoniser, non? Ça va? Bon, alors. Arrête de faire ta chuchote là, mec, là. Allez, on va te choper. Oh la tronche! Bon, après, il s'est pris un headshot, hein. Donc. Viens te frotter à moi pour voir. Ça te pendait au nez de toute façon. Ah oui, carrément, on lui a pas laissé le choix. Le mec, on l'a canné, quoi. On l'a découpé, quoi. Ok. En espérant que ça bug pas. Parce que alors là, je serais beaucoup moins. Je serais pas content. Je serais pas très content, quand même. Hein. Allez, on a passé le coup de fil. J'ai besoin de tes hommes pour gérer l'opération de contrebande à l'entrepôt. Je les envoie. Et Lincoln, c'est pas parce que Greco est un connard que c'est une fiotte. Il enverra sûrement certains de ses gars pour essayer de te descendre. Alors surveille les arrières. Mets la main sur Greco et démolis-lui la gueule tant que tu veux. Mais je le tue pas. Il est pour moi. Ok, mec. Peloton, compagnie C. Dans le 614e bataillon de chasseurs de chars pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais une formation de médecin. Mais j'étais armé. Tous les hommes de la compagnie étaient noirs. L'armée ne savait pas quoi faire de nous, mais ils ne voulaient pas que nous combattions aux côtés des Blancs. Climbar. Climbar était... une petite ville française près de la frontière allemande. Nous avions reçu l'ordre de nous en emparer. Les Boches se sont emparés de 3 des 4 armes anti-chars en notre possession. Mais il était hors de question de les laisser prendre le dessus. On était déterminés à leur montrer qu'on était aussi bon, sinon meilleur, que tous les autres soldats en service. Je n'aime pas parler... des médailles que j'ai reçues. On survit à ce genre d'événement que par la grâce de Dieu. Je trouve ça déplacé de célébrer ça avec un petit morceau de métal. Personne n'est au courant à part vous et John Donovan. Non pas que j'ai tenu ça secret, vous pensez bien. Simplement, personne n'est jamais venu me demander quoi que ce soit. Et ça a bugué, et ça a bugué, et voilà, regardez, regardez en bas à droite, bah en fait on a le radar, c'est encore bugué. J'ai bien fait d'avoir sauvegardé. Grâce à toi. Je passe dans l'écran, hop là, regardez, hop, regardez, c'est moi, voilà, c'est Lincoln, c'est moi, voilà, youhou. Est-ce que je peux, je monte dans la caisse, allez, salut, allez, salut, hein. Allez, bisous. Ah merde, allez, je m'arrache. Regardez-moi, hey, salut. Regardez, hop là, allez, ciao. Et bien voilà, bon, bah c'est sur ce petit bug hein, qu'on va finir, voilà, tout simplement, on a l'habitude avec Mafia 3, j'ai préféré quand même, voilà, mon côté, moi, sécuriser le truc et de sauvegarder avant que ça, le temps de chargement se lance avant que la cinématique, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément peut-être le début de la cinématique, avec le prêtre, et voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, et voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser le petit like, voilà, je le répète encore, désolé de vous crier dans les oreilles encore une fois, posez le petit like, le petit partage, l'abonnement, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, il y a tout un tas de choses, eh bien, qui vous attendent dans des playlists bien dédiées, vous avez qu'à aller, eh bien, sur la page sur la chaîne, vous verrez, il y a plein de segments... bien rangé, voilà, tout simplement. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'était Tanguy. Salut !